Et voilà! Bravo! À combien? Avec 7 juillet? Fantastique! Ah, c'est pas grave! Le premier jour, le dimanche, c'est comme un médecin. Vous voyez, hop, vous picorez un peu, vous regardez une main par-ci, une main par-là, vous prenez un peu la température des équipes. Vous essayez surtout de voir jouer vos potes, parce que généralement, le lundi, ils sont assis à côté de vous pour regarder les parties. De représenter Marseille et le jeu provençal, et ça c'est une fierté pour moi et surtout pour, je pense, pour tout le monde. Et comme tu l'as dit Patrick, bravo à l'organisation, bravo aux bénévoles, aux arbitres, parce que sans eux on ne serait pas là, malgré le temps couru. J'espère que le soleil va arriver. C'est une fierté parce que cette année la ville de Marseille est pour la première fois partenaire de cet événement. C'était pour nous important d'être dans cette... dans ce concours. Moi, à titre personnel, avec des élus au sport et des élus de la ville de Marseille, on lancera aussi quelques boules. On n'arrivera pas en finale, mais en tout cas, on voulait aussi jouer. Cette tradition provençale, elle est importante. Il faut la cultiver. Moi, pour moi, qui est de Marseille, franchement, c'est le concours de l'année qu'on attend toute l'année. Moi c'est mon premier provençal, donc je suis fier de jouer avec ces monstres de la longue. On a bien démarré, on a fait le main de 6. On a bien tiré, bien pointé. En espérant que ça se passe comme ça jusqu'au bout. Pour le long, voilà. Toutes les équipes nous attendent au tournant. On sait très bien qu'il faut quand même développer un sacré jeu pour aller jusqu'au bout. Ah, c'est toujours pareil sur le papier. Après, il y a beaucoup de parties qui sont favoris. On fait partie des belles parties comme beaucoup d'autres. Après, il faut bien jouer. Ça dépend le tirage, la chaleur. Et il faut bien se reposer entre les parties. J'ai fait plus de 50 Provençal. Ah, j'ai connu tous les grands du Provençal. Il y avait Dédé, Massoni, l'élégant, Roger Bonifé, l'Albatros, quand il tirait, il mettait les deux bras comme ça. Et en 98, j'ai perdu un quart de finale. Et le plus, c'est en 78, j'allais jusqu'à la finale et j'ai perdu contre Massoni.